Je m'appelle Rudy Guillarno, je suis ingénieur agroéconomiste et j'ai travaillé sur des programmes d'appui pour le développement du maraîchage au Bénin et je me retrouve aujourd'hui en Belgique. Je fais un master en gestion des risques et des catastrophes et juste pour évaluer ou voir dans la mesure du possible en quoi l'usage des produits chimiques, les engrais, impacte les agriculteurs et aussi en quoi les risques et catastrophes naturelles influence l'agriculture. En termes d'impact, je peux essentiellement parler de la gestion des intrants agricoles. Essentiellement dans les familles, la dangerosité ou l'effet néfaste des produits chimiques n'est souvent pas expliqué aux producteurs. Mais avec l'agriculture écologique, les producteurs n'ont carrément plus accès à ces intrants. Cela limite l'impact de ces produits sur les familles. Il y a aussi la promotion d'une économie locale, et essentiellement basée sur des activités génératrices de revenus. Et cela permet de rehausser l'économie des ménages pour faire face aux besoins de la famille. En tant qu'ingénieur agronome, j'ai travaillé sur plusieurs programmes d'appui au développement du maraîchage. Et étant donné que Île de Paix aussi s'investit dans le maraîchage, je me suis intéressé à connaître les programmes dans lesquels ils s'investissent. Le maraîchage est essentiellement une source de revenus pour la famille, mais cela permet également de pouvoir aux besoins du ménage en termes de sécurité alimentaire. Cela permet de produire des légumes et fruits qui permettent de soutenir la sécurité alimentaire du ménage. Pour une alimentation plus durable, soutenons Île de Paix, les 13, 14 et 15 janvier. Et voilà, agissons tous ensemble.